Ça va même très très bien les amis. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans les mains à présenter aux copains? Une kawaii box. Et oui, une kawaii box. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est une boîte où dedans nous avons plein de choses, de petites choses et à découverte. Et ça se collectionne, c'est... Par exemple, il y a des figurines, des squishies, des... Ok, en fait, il y a plein de choses à l'intérieur, c'est ça? Oui, plein de petites choses. En fait, il y a plein de choses à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, en fait, c'est le principe des box. Donc d'ailleurs, si vous voulez aller voir le site de Kawaii Box, eh bien, le lien du site sera dans la description, voilà. Donc en fait, c'est une box qu'on peut recevoir tous les mois ou quand on veut, on n'est pas obligé de s'abonner tous les mois. Et à l'intérieur, il y a plein de goodies très 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 kawaii, très girly, très rose, très très beau. Mais si les garçons ils aiment bien ce qu'il y a à l'intérieur, ah bah oui, ils peuvent la commander aussi. Oui. D'ailleurs, Kawaii Box qui nous a envoyé la boîte réserve une petite surprise aux abonnés. Tu peux leur en dire plus? Ah, tu sais pas comment dire? Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire Kawaii Box aux abonnés? Ils vont essayer d'en envoyer une. Avec un concours en fait. Mm-hmm. Kawaii Box organise un concours pour tenter de vous faire gagner une box. Alors peut-être la même ou l'autre, je ne sais pas. Donc c'est simple, pour participer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut cliquer sur le petit lien qui se trouve où? Là. Il est en bas en fait. Le petit lien de la Kawaii Box pour participer au concours. Et si vous gagnez, ben, vous en aurez une à la maison. Mm-hmm. Alors est-ce qu'on l'ouvre cette box? Oui. Oui. Allez, qu'est-ce qu'il y a à ton avis dans cette boîte? On va le découvrir, donc on y va. Donc les copains, ils vont découvrir avant nous, d'accord? D'accord? Oui. Voilà. Voilà ce qu'il y a. Voilà ce qu'il y a. Alors qu'est-ce qu'il y a? Oh ben il n'y a rien pour le moment. Alors il y a un petit... Oh c'est trop chou. Regarde. Oh Pikachu. Alors en fait, voilà, c'est trop beau. Il y en a qui ont reçu la Kawaii Box. Et là, en fait, regarde, il y a marqué Kawaii Box. Et c'est marqué... Attends, avant de découvrir, attends. En fait, il y a marqué Thanksgiving Parade. En fait, ça doit être une box sur Thanksgiving. Donc, je vais pas l'ouvrir parce que je crois que sinon, ça va nous spoiler, d'accord? D'accord? On l'ouvre pas. On va la mettre de côté. En tous les cas, c'est super joli. Alors, une seule chose, ça. Attends, regarde comme elle est trop belle, cette box. Franchement, ouais. Elle est trop belle, Bon, allez, on va montrer aux copains. Oui, toi, choisir. Oui, on peut. Il est trop beau, le papier. En tous les cas, le papier, il est vraiment trop beau. Regarde pas. Donc, on regarde pas. Vas-y, prends le premier goodies. Voilà. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, on l'ouvre. Alors, c'est un... Oh, c'est une petite trousse. Oh, c'est trop beau. En fait, c'est un porte-monnaie, je pense, quelque chose. C'est un petit... En fait, regardez. C'est trop beau. Regardez comme il est mimi. C'est quoi? C'est un petit nounours, non? Je sais pas. Oh, il est trop beau, regardez les amis. Et il est super bien, c'est un et petit là, regardez, derrière, on peut mettre quelque chose. Et c'est et tout oui. Un mousse. Après, t'es pas obligé de mettre... Ah ben voilà, ça c'est un mousse de protection. Voilà. Ah ouais, tu peux mettre plus de choses maintenant. Alors, on n'est pas obligé de mettre des sous dedans, on peut mettre aussi... Oui, des petites choses à collectionner. Ça, par exemple, tu vois, oui, tes bracelets, tes élastiques et tout. Oh, c'est trop chouette, regardez. Ouais. En plus, ces poupées-là, regardez. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. En tout cas, c'est trop beau. Ouais, ça peut... Ça peut... Bah, tu peux l'accrocher, en fait, à ton sac aussi. Enfin bon, c'est super beau. Donc, ouais. Qui prend le deuxième? Est-ce que je pioche le deuxième ou c'est toi qui pioches tout? C'est moi qui pioche tout. C'est toi qui pioche tout, bien sûr. Grosse impatience. Donc on y va. Ah ouh. Qu'est-ce que c'est? Oh, Molingue. Dégomme. C'est Molingue. Tu regardes le dessin animé Molingue. Alors, oui, alors. Tu montres aux copains. Attends. Regardez, c'est Molingue et son petit. Son ami le poussin. Il est trop beau, en fait, c'est trop mimi. Je pense que ce sont des gommes. Oui. Là, on les ouvre? Oui. Ah bah c'est facile à ouvrir ça pour le coup. Hop là. Ça fait une toute petite gomme. Comment je fais? Moi je prends la grosse. Oh c'est trop mimi. Oh ah, j'adore l'emballage en tous les cas. Il ah, est trop beau. Ça sent les... Alors on a quoi? On a le petit. Son ami le poussin et Molingue. Ah, ils sont trop mimi. Alors c'est des gommes. Alors est-ce que tu vas gommer avec ou tu vas plutôt les garder pour décorer ta chambre? Je vais les garder pour les collectionner. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Elles sont trop belles. Je vais les collectionner. Ah, je vais les mettre là-dedans. On continue avec le
troisième goodies. Je vais laisser ouvert pour qu'il respire. Ok, troisième goodies. Je regarde pas. Rappelez-vous ce que c'est. Un porte-monnaie. Oh oui, un porte-monnaie. Alors, depuis, regarde. Depuis que je rêve d'en avoir un comme ça. Il est trop beau, les amis. J'en voulais un Spirou comme ça. Il y en a quatre en fait à collectionner. Ouais. Regardez. Il y en a quatre à collectionner. Et en fait, moi, Spirou, je rêvais d'en avoir un. Il est trop beau. Tu veux l'ouvrir? Attends, il y a marqué quelque chose dans quel univers c'est? Ah bah, c'est facile. Bah, c'est un animal, ce qu'on pense. Maman, c'était facile, il fallait retirer ça. Ah bah oui, c'était super simple, dis donc. Ah. Oh, il est trop beau. Là, il faut pas... Hop, je rêve d'en avoir un comme ça. Ah bah, sur la petite mousse. Hein. Ah bah, deux. Non, c'est pour protéger. Regardez. Oh, mais il est grand, hein. Il est vachement grand. Ah, il est trop beau. Quand j'étais petite, j'avais toujours des petits porte-monnaies comme ça, là. C'est super. Moi, je n'ai jamais des porte-monnaies comme ça. J'ai d'autres porte-monnaies. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un marque-page. Et non, ce sont des post-it, c'est des mémos. Regardez, oh, punaise. Des post-it, regardez. J'en ai jamais eu. Par contre, Stécie, ce qu'elle a. Ah ouais, Stécie, c'est... Je sais pas si vous connaissez les abonnés, c'est... C'est une amie à Océane. Et c'est une femme des post-it. En plus, c'est le petit chaperon rouge. Il y a d'ailleurs une chaîne YouTube aussi. Et ouais, c'est le petit chaperon rouge en fait. Oh, c'est trop beau, les petits post-it. J'adore. Ça peut faire marque-page aussi. Elle va en coller partout aussi. Si tu l'envoies, tu en donneras un peu. Oui. Oh, t'es trop chou, ma chérie. On continue avec la suite. Ah, un truc de mou. Un truc de mou. Squishy, un squishy. Oh, et un tiki. Hello quoi? Hello tiki. Hello tiki? Non, hello kitty. Hello kitty. Hello kitty. C'est un c'est pas un squishy, c'est un... Non, c'est un tsum-tsum. C'est tsum-tsum, ouais, c'est comme les tsum-tsum. Oh, il est trop beau. Mais pas en Disney. Oh, elle est plus belle qu'avant, elle est plus belle qu'en vrai. Oh, elle est trop belle. Regardez, elle est plus les amis. Belle qu'en vrai. Petite soum soum. Non mais c'est bon loulou, je suis en présoum ma chérie. Alors, regardez le petit soum soum en fait. En fait, regardez les petites fleurs, elles sont fuchsia et elles sont très 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 belles. Il est trop beau. Est-ce que je peux voir s'il est doux? Oh, ouais. Il est super doux là-dedans. Oh, il est trop beau. Moi, je fais la collection des soum soum. Moi en plus, et regarde, il a une petite queue derrière et tout. Ouais. Il est trop beau. Il n'est pas dans les bonnes couleurs, mais n'empêche, il est beaucoup plus beau. Il est magnifique. Alors, on continue avec, du coup, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Oh là, il y a beaucoup de... Waouh, c'est quoi? Un petit carnet, je crois. Mais non, c'est un calendrier. Un calendrier, je pourrais marquer. Mais il est trop beau. Regardez. Mais non, c'est pour l'année prochaine. Ah, et pourquoi faire? Et bien, c'est un calendrier pour 2019. Alors ça, en fait... Oh, il est trop beau. Ah. Oh, c'est écrit en japonais. Si tu peux mettre des notes. Oh, il est trop beau. Et là, c'est quoi? Alors, regarde, je vais te montrer. Et là, on peut mettre des choses? Mais non, regarde. Alors, regardez, les amis, c'est un calendrier. Je sais pas si vous verrez avec les éclairages. Il est trop... Et là, on met son stylo. Magnifique. Mais non, le joute. Et regardez, à l'intérieur... C'est pour 2019. C'est marqué 2018-2019. C'est pour les deux. Oh là là, c'est écrit tout en japonais. C'est trop beau. Attends, fais voir. C'est pour tous les deux. C'est oh là, ça doit être janvier, je pense. Hein. Ah non. 0. Oula. 11. C'est pour 2018 et 2019. 12, 10. Ah, septembre. Septembre 2018. Jusqu'en... C'est 9 en fait. C'est le chiffre 9. Jusqu'en... Oh là, jusqu'en janvier 2020. Voilà, regardez, là on a marqué son petit prénom. Et là on peut marquer des choses. Ouais. Est-ce que toutes les pages sont les mêmes? Ouais, toutes les pages sont les mêmes. Alors maintenant je t'explique à quoi ça sert. En fait, c'est un calendrier de bureau. Il va falloir qu'on plie comme ça. Ça, t'en avais pas jusqu'à maintenant, c'est trop chouette. En plus, Océane, elle adore marquer des choses sur les dates, des choses qu'on fait, etc. Et ça, moi, après, je le fais sur mon agenda. Et ça, allez, moi, et puis, dans ce sens, ce sera mieux. Et ça, tu le poses en fait sur ton bureau. Et à chaque fois, mais quand t'as changé de mois, et ben hop, tu fais comme ça. Et je peux marquer le jour de mon anniversaire aussi. C'est ça, tu peux l'entourer, tout, les petites choses importantes. J'adore. Franchement, il est trop, trop. Et j'ai marqué la Saint-Valentin aussi.
Je peux si tu veux, hein. Saint-Valentin aussi. Il est trop beau. On continue avec quoi? Ah, moi j'ai eu un stylo. Ah, bah c'est, tu l'as pris. Il est trop marrant ce stylo. C'est un sushi. Stylo sushi. Mais c'est un stylo normal? Non, ça c'est une gomme. Non, c'est une gomme, je crois. Non, 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 c'est pas une gomme. Si. Ça, c'est une déco. En fait, hein, le Japon, ils aiment bien tout ce qui est nourriture. Vas-y, ouvre. Wow. Oula, c'est un stylo feutre. Oh, elle est toute fine, la mine. Tiens. Ah, oh, c'est trop bien. Il est trop beau. Tu vois, je vais écrire des choses. Bah, il écrit bien en tous les cas. Hein. Ah, voilà, il faut que ça fasse le clic. En fait, c'est un sushi avec une crevette dessus. Il est trop magnifique. J'adore. Il est super kawaii. Je vais le mettre. On continue ? Oui, je vais le mettre là-dedans. Aussi, je peux mettre mon stylo là. Ouais, bah, si tu veux. Je vais mettre plein de choses. On continue avec quoi alors ? C'est moi qui choisis. Non. Non. Ah, j'aurais bien essayé, hein. J'y serais pas arrivée. On y va. Oh, oh, à manger. Ah, ça c'est cool. Ah. Alors c'est quoi? Je sais pas. Oula, c'est fait tout en japonais dessus. Donc je vais le déballer parce que... Apparemment, regarde, je pense que c'est chocolat blanc, gaufrette et chocolat au lait. Je sais pas, regardez les amis. Attendez, Tu l'ouvres? Oui, je vais l'ouvrir parce que je suis une grande commande de... Voilà. Oh oui. Oh, on dirait un Kinder chocolat. Attends. Oh, ça a l'air trop bon. Je croque en première. Tu croques? Eh oui, Thanksgiving, c'est les friandises aussi. Allez, vas-y, croque. Allez. Oh, ça possible. Oh, trop bon. Oh, regardez dedans, il y a une gaufrette. Ouais, c'est chocolat au lait, chocolat blanc. C'est grave bon. Ouais, la vanille, chocolat. C'est trop bon. Ouais. On regarde un peu pour Coco. Oh, on va goûter à Coco, bien sûr. Pousse vers le haut. Pousse vers le haut. Contre moi. On continue. Ah. Oh, c'est grand. C'est quoi ça? 4 roues. On va. Oh, c'est la même marque que ton calendrier. J'ai trop faim. On l'ouvre. Mais c'est des lettres. C'est du papier à lettres. Mais c'est trop bien, regarde! Regarde ce que c'est en fait pour écrire à tes copines si tu veux pour te. En fait, c'est trop bien! Ah, c'est des enveloppes! C'est trop. En fait, il y a 3 enveloppes, voilà. Pour faire une soirée pyjama aussi! Voilà, il y a 3 enveloppes, elles sont trop belles. Avec en fait des petits papiers à lettres. Oh, franchement, c'est trop beau. Avec 3. Il y a combien? 4? 4. 4. 5? 6? Oula, mais il y en a plein en fait! Ah, en fait, ah oui, il y en a plein. Et ça, c'est du papier à lettres en fait, au sein. C'est pour écrire des petites lettres. Par exemple, si je veux inviter chocolat, attention. Par exemple, si je veux inviter une copine et son frère ou sa soeur, et ben je vais. Voilà, ben voilà. Donc en fait, par c'est pour envoyer des lettres. Par exemple, Indira et Saralina vont inviter les deux. Oui, ben si tu veux. Si tu veux. Donc ben, on met ça de côté. C'est trop chouette. Franchement, j'adore le papier à lettres. Comme ça, il est trop trop bien. Allez. Oh, mais il n'y a plus qu'un truc. Voilà, c'est tout vide. Tu vois? Il y a marqué quoi? Ah! On se revoit pour le mois prochain. Il y a marqué See you next one. Regardez les tout petits stickers. Les petits stickers. Toi, j'ai posé ça là. Wow, c'est trop. Tu vois? Là, il est dans un croissant. Là, il y a un donut. Là, il y a du pain mis ou une brioche. En fait, c'est sur le thème de la boulangerie. Un sandwich. Un sandwich, ouais. Regarde là, c'est une poche à douille pour mettre la crème. Oui, attendez, il faut juste voir un truc. Alors, est-ce que ça... À mon avis, ça va pas s'écouler comme ça. Ouais, à mon avis, il est là. Tu vois, là, il décolle, tu vois. Hop. Ah. Et en fait, ce sont vraiment des stickers autocollants, je vous montre. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, bah écoute, on a vidé la box, hein. Il n'y a plus rien. J'adore le papier. Regarde comme il est trop beau le papier qu'il y a dedans. J'adore. Regarde les arcs-en-ciel et tout. Regarde. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. On va s'en servir. Alors, Loulou, qu'est-ce que tu penses de cette box? Trop bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon. Elle est trop, trop je belle. Je vais tout montrer. Ah, bah, tu vas tout montrer, t'es sûre? Oui. Ça risque d'être long, non, si tu montres tout. Donc, j'ai mis sur la table tout ce que j'avais eu dans la Elle box. A eu beaucoup de choses, même. Oui. Elle a eu tout ça. Oui, donc. Alors, le porte-monnaie là, le sac, le
on est là, les stickers. Non, ça c'est les post-it. Post-it, des petits stickers. Du chocolat pour les gourmands. Ça, un petit soupe, un calendrier, des lettres en fait. Des lettres avec des enveloppes. Et des gommes et un stylo sushi. Voilà, donc il y avait pas mal de choses. Alors dis-moi, quel est ton goodies préféré? Moi, mon préféré, franchement, c'est trop bien. Mais je pense que... Le porte-monnaie, toi? Moi, je pense que c'est le petit tsum-tsum. Ouais, moi, le petit tsum-tsum, là, j'adore trop. En fait, j'aime bien aussi le stylo. J'aime bien... En fait, j'aime tout. Moi, j'aime tout aussi. J'aime vraiment le petit Kitty. Elle est trop mimi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire dans les commentaires, les amis? Lequel vous préférez? Eh bien, lequel vous préférez. Et puis aussi, si vous allez participer, ils peuvent nous dire aussi dans les commentaires si vous aussi, vous allez participer en cliquant sur le petit lien qui est où? En bas. Dans la description. Pour tenter de gagner, vous aussi, une... Kawaii Box. Alors nous les amis, on a terminé cette petite vidéo. On a eu pas mal de choses quand même. On va pouvoir tout ranger dans ta chambre et tout. Je pense qu'on va tout mettre sur le bureau. Ça t'a vraiment plu? Oui. D'ailleurs on remercie Kawaii Box d'avoir pensé à nous. Nous on va vous laisser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. En attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao, ciao, ciao les amis, bisous, bisous. Mouah.